Un quotidien catalan assure que le 25 mai dernier, les services de renseignement américains avaient alerté l'Espagne qu'un attentat risquait de se produire sur les Ramblas de Barcelone. El Periódico de Catalunya publie un fac-similé d'un message rédigé en anglais qui mentionne une menace émanant de l'État islamique. Le chargé de l'intérieur du gouvernement de Catalogne, Joaquín Forn, reconnaît avoir reçu une alerte, mais assure qu'elle ne venait pas des États-Unis. L'avertissement quant à un possible attentat pendant l'été dans des lieux tels que les Ramblas nous est parvenu d'autres sources. Il a été traité comme les dizaines d'alertes que nous recevons. Ces alertes sont toujours vérifiées et évaluées. Dans ce cas-là, l'avertissement a été jugé peu crédible. Joaquín Forn assure par ailleurs qu'il n'y aurait aucun lien entre l'alerte reçue en mai et les attentats du 17 août dernier. Les attaques sur les Ramblas et à Cambrils ont fait 17 morts.